Allez, c'est l'heure. Je laisse remonter au camp. Pas 5 minutes, s'il te plaît. Non, désolé, parce qu'après, ils vont vous attendre pour manger. Allez, connais le colo. Grand. C'est quoi la soirée de ce soir? C'est boom, classe, pas classe. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, classe, tu t'habilles classe, et pas classe, tu t'habilles pas classe. Ah, c'est bon, je fais pas moi ça. Pourquoi? Allez, c'est marrant. Ah, c'est pourri, j'ai pas d'affaires classe. Et si c'est pour passer pour un clodo, ça va aller. Mais non, mais pas la peine comme un clodo. Tu mets des chaussettes hautes, un peu là et tout, un petit t-shirt coloré, et c'est grave drôle comme l'année dernière. Exactement. Allez, dépêchez-vous, sinon vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Moi, je suis prêt. Anita, tu viens? Faut que je lui demande un truc, j'arrive. Ça va? Tu remontes pas avec les autres au camp? C'est drôle comment tu me fais penser à une éduque du foyer. Parce que j'ai les cheveux courts? Non, mais pas que. Ça fait combien de temps que t'es au foyer? 2 ans et 3 mois. Je suis au foyer parce que mon beau-père, il tapait sur ma mère. Et elle disait rien. Du coup, un jour, j'ai voulu défendre ma mère. Et c'est sur moi qu'il a tapé. À la maison, j'étais vraiment la boniche. Je devais faire le ménage, m'occuper des petits. Un jour, il a abusé de moi. Et ma mère, elle me croyait pas. Elle dit que je suis une menteuse. Que je fais tout ça pour casser son couple. Du coup, elle m'a mis dehors. Maintenant, je suis en procès contre elle. Mais qui est-ce qui t'a aidé à ce moment-là? L'infirmière scolaire. Elle a vu mes bleus. Je lui ai raconté l'histoire, du coup. Elle m'a dit que je pouvais porter plainte contre mon beau-père, ce que j'ai fait. Et au même moment, ma mère m'a foutu dehors. T'as été super courageuse, Anita. Tu le sais, ça? Ouais, mais je suis en foyer maintenant. Oui, mais tu t'es sauvée. Non, mais ce qui me saoule vraiment, c'est mon petit frère et ma petite sœur. Enfin, un demi, tu vois. Parce qu'eux, ils sont encore là-bas. Et je veux juste pas qu'ils les touchent, en fait. Et je peux rien faire, parce que j'ai même pas le droit de les voir. Mais peut-être que le juge peut faire quelque chose? Non, parce qu'ils sont trop petits. Et puis ma mère, elle veut plus me voir. Donc je sais pas, quand je serai majeure peut-être. T'es en quelle classe? Je rentre en première. Et tu veux faire quoi après? Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas. Bah, y a bien un truc que t'aimes, je sais pas, ou ta matière préférée. Les langues? L'espagnol? Si, muy bien! T'as déjà été en Espagne? Non, mais j'aimerais trop y aller. Mais c'est la première fois que je quitte la France, là. Ah, on est en France, là? Non, mais... Je veux dire, prendre un bateau, aller sur une île... À la base, je voulais vraiment pas y aller, mais c'est le foyer qui nous a obligés. Parce qu'il ferme en août? Ouais. Et vu que je peux pas aller chez ma mère, j'ai dû trouver une colo. Ouais, mais ça t'a permis de voyager, de rencontrer des gens... Tu faisais un peu la tête en arrivant, mais au fond, t'es pas si mal ici. Non, mais c'est vrai. Il y a des paysages de ouf, et vous êtes trop cool. On peut un peu faire ce qu'on veut.
Ah, ce qu'on veut. Non, mais il y a des règles, normal. Mais on peut choisir ses activités, construire sa journée. On est comme dans une bulle. Encore 2 ans. 2 ans d'école. Tu te motives pour que ça se passe bien, parce que quand ça se passe pas bien, c'est chiant. Tu passes ton bac, et après, tu fais ce que tu veux. Ce qui t'est arrivé là, on peut pas le changer. On peut pas revenir en arrière. Mais par contre, t'as la vie devant toi. Tu peux décider de ce que tu vas devenir. Tu peux choisir ta famille. C'est vrai. Ce qui t'est arrivé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es forte, t'es courageuse et tu sais ce que tu veux. Je sais même pas te dire ce que j'aimerais faire. Mais si, l'espagnol. C'est juste que tu t'étais pas posé la question. Écoute-toi et dis-toi que tu peux le faire. Oui, elle est avec moi. Elle va remonter tout de suite. Ah, désolée, on discutait. Ouais. Ok, ça marche. Ok, merci. Faut que tu y ailles. Ouais. Je remonte vite, t'inquiète. Je suis pas inquiète.